Bonjour, c'est Gadu et bienvenue sur Gadu Gaming pour l'épisode 10 du Let's Play de Rock of Age. Toujours en train de jouer aux boules en fait, hein, comme Spirito. On s'en fout. Alors, on était à Madrid avec le book. On va passer maintenant à droite. Je pense que c'est l'Italie probablement. On va le voir de suite. Je vous rappelle que le jeu est toujours sur Steam à 10€, hein. Ce n'est pas cher. Il est plutôt long quand même pour un jeu à 10€, donc c'est pas mal. C'est marrant en plus, clairement marrant. Moi, je me fonds la gueule. Ok, j'allais dire Italie, mais en fait non. C'est sur les îles italiennes, espagnoles. Donc, le jour du jugement. Alors, c'est un boss probablement, on va voir ça de suite. Bataille, c'est parti. Petite bataille. On va voir comment ça se présente. Je vous rappelle, on est parti de Grèce, hein. Donc on a un personnage grec antique. Et il est... Ok. Chronos, ah! Chronos qu'on avait déjà vu au début, hein, aussi connu comme Saturne. C'est quoi le rapport là? Ok, c'est pas grave, je vais pas le savoir. Et c'est la fin, c'est fini, qu'est-ce qui se passe? Le jour du jugement, j'ai l'impression que c'est le dernier niveau, on va le voir de suite. Hein, donc j'ai dit que le jeu est assez long, mais en fait 10 épisodes probablement, on va voir ça. Hein. Mon personnage est à droite, on peut pas le freekill hein, celui-là, voilà. Il faut niquer peut-être les petits emmerdeurs là qui m'ont fait chier au début. Alors, c'était un chemin, un parcours en fait, j'ai l'impression, hein. Je freekill au passage, oh là. Voilà, d'accord, on peut pas revenir en arrière, ok, d'accord, c'est fait. Je pense que je vais me galérer sur ce niveau s'il fait ça à chaque fois, hein. On va le voir. On va essayer de prendre un autre chemin par la droite, là, je sais pas si c'est intéressant. On freekill comme d'hab, hein, voilà. Ah non, je reviens en fait, c'est pas un autre chemin, c'est le départ, voilà. Je freekill tous les petits bonshommes là qui m'ont emmerdé au départ, hein, si vous vous souvenez. Allez voir le premier épisode pour ceux qui ne l'ont pas vu, ou ceux qui ne s'en rappellent plus. Parce qu'ils m'ont emmerdé, hein, voilà, donc ils sont plus là. Alors, on va essayer d'avancer, évidemment. Ah, il veut taper avec sa main, je pense. Voilà, c'est évident. Et il a tapé en plein sur la boule, en plus. Comme ça, c'est fait, voilà, je retombe. Je ne suis pas sûr d'avoir ce boss durant cet épisode, je veux dire. Mais on va essayer, écoutez, hein, c'est le jeu. On va voir s'il lève la main ou pas, encore, en passant. Il lève la main, alors on s'arrête. Raté, mon grand, raté. Peut-être ralentir, en fait, quand il fait ça, hein. Je crois qu'il veut me toucher, hein. Oui c'est ça, il veut me toucher. Ok, bah je vais taper sur... Oh yes. Oh, le glitch de la mort. J'ai eu avec son genou. Alors il vient de taper là, on va essayer de passer par-dessus la main. Ok, d'accord. Et il faut que je remonte tout, ça va juste être hyper chiant. Ah non, ça va, je remonte pas depuis le début. Il y a quand même des checkpoints. Voilà, il y a des checkpoints, hein, j'ai l'impression. Donc ça va, c'est sympa. Merci. Heureusement, parce qu'à tout refaire... Par contre, je pense que ma boule va mourir avant. Voilà, carrément, d'accord, je me suis... Smash, on va dire. Alors, comment on va faire ça? On va attendre un peu, peut-être. On va attendre. Voilà, on va attendre qu'il fasse ses conneries. Non, non, j'ai raté, c'est le fail. Ok. Ça, la boule ne prend plus de dégâts, du coup. Donc c'est pas mal. Voilà, on va attendre qu'il tape. Voilà, merci. Voilà, pousse ta main maintenant, merci. Voilà, ouais, c'est... Hop. Alors j'ai réussi à passer la main, mais à tous les coups, je vais revenir avant. Et la boule est de plus en plus légère. Les personnages reviennent en friquer la peau au passage. Ah non, j'ai réussi à avancer. Ok, carrément. Où c'est que je vais, comme ça, d'accord. J'arrive en haut, hein, j'arrive en haut. C'est possible que j'y arrive. C'est possible, on friquer un peu au passage, voilà. Je ne sais pas comment il faut faire, en fait. Bah, à part se faire smatcher comme ça. Oh, you. Il m'attend en fait, c'est ça le problème. Je pense qu'il faut passer sous son bras. On va attendre qu'il fasse ses conneries, voilà. Pour passer sous son bras. Raté, boule trop légère, voilà. C'est hyper chaud. On va essayer de prendre un peu moins d'élan du coup. Alors on va faire la même. On attend qu'il latte. Voilà, il latte. Voilà. Et là on passe sous son bras avec un peu moins d'élan. Non, là il en fait deux fois, l'enfoiré. Ah, je vole encore, voilà, c'est. Waouh, ce niveau-là est nettement plus dur que les autres boss. Il est vraiment beaucoup plus dur que les autres boss. On grimpe au fur et à mesure, vous avez vu, hein, très très peu, mais on grimpe. Il faut passer sous son bras, c'est évident. Voilà, raté mon grand. Et je reviens. Non, fuck là, oh. Comment je passe? Il faut sauter peut-être. Peut-être sauter en fait. Je vais essayer de sauter quand il repasse la main. On va faire ça. Ouais, bah ouais, mais il m'a pas eu, mais moi j'ai pas réussi à aller où je voulais. On va essayer de refaire la même avec un angle plus large. Donc, comme ça. Ok, d'accord, carrément.
Je sais pas si c'est là qu'il fallait aller ou pas. Non, non, on est redescendu là d'un niveau là. Donc on peut remonter. On peut remonter. Il y a du free kill partout sur le chemin. Voilà, j'ai de la vitesse du coup. Hop. Ok, d'accord, ça a servi totalement à rien. Voilà. Alors là, je suis bloqué. J'ai l'impression en fait que ce n'est pas faisable ou à moins d'avoir de la chance, ce qui est possible. Ok, ça me sert absolument à rien, voilà. J'ai eu de la chance tout à l'heure, je l'aurai pas deux fois, je vous le dis. Ah, ça m'embête, parce que il y a peut-être un truc que j'ai pas compris et... Ouais, vas-y, viens, voilà, il est friqué là sur le chemin, vous l'avez vu, hein. Voilà, tu gardes ta main comme ça. Oh, oh. Un peu moins d'élan, on va la refaire la même avec un peu moins d'élan, mais je sais pas quand est-ce qu'il l'a, des fois il l'a deux fois. Peut-être parce que je me recule trop. Voilà, comme ça. Non, fuck là! Allez, j'arrive presque au bout là, sans déconner! On va y passer l'épisode, je vous le dis, on va y passer. Vas-y, latte! Voilà, c'est la gifle! Oui, j'ai réussi! Alors là, c'est le bordel là. Ok, alors j'espère que je vais revenir juste après parce que j'ai pas envie de la refaire. Oui, yes! On revient là. Alors là, c'est un peu plus tendu déjà. C'est de pas tomber. Là, on va aller là. Voilà. Et on va aller là. Coucou! Ouais, non, non, non. T'arriveras pas à me pousser. Boum! Non, 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 s'amuser là! Non, non! Non! Faut lui foncer dans la gueule en fait, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et on revient. Ah ouais, d'accord, ça va. Pas trop loin. Ça va, ils ont été cool de mettre à checkpoint juste après le passage difficile parce que c'était pas jouable. Hein. Vas-y, souffle. Voilà, faut pas que je tombe, voilà. Et je vais prendre la vitesse et boum. What? Ok, je sais pas comment j'ai fait. Il faut tout refaire maintenant. Il faut tout refaire. Non. Non. Non, il faut que j'en fasse le truc hyper balèze à faire. Non, ils ont fait un boss abusé. Bon, je suppose qu'il va latter encore. Voilà, allez, latte. Voilà. Ouais, j'ai de l'avant, je m'en fous. Oh là, oh là, oh là, pourquoi j'ai bloqué là? Alors comment on fait ici? D'accord, ok, j'ai pas compris. C'est pas. Oh là, pourquoi ça tape là? Il y a des trucs des fois bizarres. Ah, 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 ah. Ok, d'accord. Smash. Donc ça va être rébarbatif, on va refaire la même, hein. Je vous dis, on va y passer l'épisode. Donc là, ok, là il latte, voilà, on attend qu'il latte et on passe. Voilà, c'est bon, nickel. Alors le passage à la con. J'aurais pu le passer, c'est ça qui est abusé. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'aurais pu le passer. Alors on va attendre qu'il gifle, comme on a fait tout à l'heure. Là tu gifles. Voilà, nickel. Non, j'ai oublié qu'il fallait aller un petit peu moins vite. Allez, on y croit cette fois. Donc je vais attendre la gifle, voilà. Raté. Et on passe sur le bras. Non, on passe sur le bras, voilà. J'ai encore resté bloqué. Parce que je sais pas pourquoi il l'a deux fois. Enfin, je vois pas comment on peut passer du coup, en fait. Il y a un truc que j'ai pas compris, hein. Alors si vous savez pourquoi, mettez-le dans les commentaires. À moins que d'ici la fin de l'épisode, on sait. Parce qu'il faudra le faire au moins une troisième fois. Non, 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 fuck. Oh, ah, c'est passé. Alléluia. Non, c'est pas bon ça, c'est pas bon. C'est bon, ça passe. Ça, ma boule ne s'abîme plus, et ça c'est génial. J'ai eu beaucoup de dégâts au début, alors on va attendre voilà, qu'il souffle. Pour lui sauter sur la gueule. Non. Voilà, merci. Voilà. Tu t'es pris un coup de boule. Et ben c'est parti. Allez, troisième fois. Ça va, la deuxième fois était beaucoup plus rapide que la première. Je suis très content, très content. On va faire le tour. Voilà. Allez, la main. Vas-y. Merci. On passe. Ensuite là, il va falloir passer. Pourquoi je tape des fois? J'ai l'impression que c'est scripté un peu là. Et on va essayer de passer entre les deux. Voilà, nickel, comme j'ai fait tout à l'heure. Ça retape. Je sais toujours pas pourquoi. Là, on saute, on attend que la main tape. Merci. Et puis, on avance en dessous la main. Voilà, facile. Ici, ça retape encore. Je pense que ça attend en fait que le personnage arrive. Donc là, on attend qu'il gifle. Voilà. On prend la vitesse et on passe.
pas comme ça, voilà, c'est raté, comme d'hab, au même endroit à chaque fois, hein. Et je pense que ça va être le coup final pour lui après, là, parce que la suite est facile. Enfin, beaucoup plus facile, on va dire. Hein. Ça reste quand même pas évident, hein. Non, non, fuck, 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 fuck. Comment je suis giflé, quoi. Voilà, tombe, vas-y, y'a pas de soucis. Alors, vous me direz, hein, si on peut perdre à ces niveaux-là, faut me le dire. Moi, ça m'intéresse pour ceux qui veulent l'essayer. C'est-à-dire de détruire la boule, en fait. Totalement. Non, il fuck, 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 là, oh. Excusez-moi, hein. Allez, c'est parti, allez. Moi, j'y crois, cette fois, j'y crois, parce que je sens bien, je sens bien, je sens bien, vous allez voir, je sens bien. Ça sent bon, ça sent bon, non, ça sent pas bon, ça sent pas bon, voilà. Cet endroit-là m'énerve. J'ai eu de la chance au deuxième coup, je pense que là, c'est mal barré pour avoir de la chance. Voilà, évidemment, je suis allé trop près. Heureusement qu'on a des vies infinies. Imaginez, on fait le niveau avec seulement une vie ou deux. Une vie même, le challenge. Un speedrun avec ça. Ce serait bon, ça. Vas-y, là, voilà, c'est bon, ça passe. Vas-y, s'il te plaît, là. Oui. Oh non. Pardon. Oh non, j'en descends en dessous en plus, fuck. C'est bizarre, il est même pas revenu ici, il m'attend en haut en fait. Il sait que j'ai remonté, il m'attend. Non, fuck. Peut-être sauter par-dessus, je sais pas en fait. Je vais essayer de sauter par-dessus, tiens, pour voir. C'est ça l'astuce. C'était ça l'astuce. Voilà, et après on passe. Ok, bah voilà, bah j'ai compris. C'est plus la peine de le mettre dans les commentaires pour ceux qui savaient, hein. En fait, j'utilisais des glitches depuis tout à l'heure, en fait, parce qu'il est censé me latter, je pense, à chaque fois. Voilà. Boum. Appu. Succès déverrouillé, champion des champions. Et ben voilà. Et voilà. On meurt débilement après avoir tué le boss. Et la boule qui pleure, c'est totalement débile. Ah, il y a les crédits, c'est ça? Les crédits, un jeu fait par Ace Team. Ce sont des Espagnols, j'ai l'impression. Des Italiens, je ne sais pas. Ils ont tous des noms italiens, espagnols. Très bon jeu, hein, vraiment. Et encore, il y a un mode multiplayer, je ne sais pas s'il est en ligne. On va essayer de le voir juste après, hein, pour la fin de cet épisode. En tout cas, vraiment, c'est vraiment artistique. Vous avez vu, hein, les personnages qui font comme ça, là, c'est... Enfin, j'adore. Après, il faut aimer. Hein. C'est un jeu indep, quand même, de base. Je précise. C'est pas une grosse production. C'est un jeu en accès anticipé depuis 2011. Et il a pas l'air d'être mis à jour. Donc, je pense que, voilà, c'est un accès anticipé qui n'est pas fini. Et fait par la société Atlus. Voilà. Il y a Ace et Atlus en fait, je sais pas qui fait quoi, hein, mais voilà. Et là on entend l'hymne à la joie, bien évidemment. Pour ceux qui connaissent, ça fait plaisir. Alors ils ont quand même une bonne équipe, hein, on le voit bien. Notamment beaucoup de testeurs, on le voit ici, il y a des managers, des leaders, des testeurs, des... Non, c'est un jeu vraiment, un jeu indep, mais avec beaucoup de personnes. Donc au final, qu'est-ce qu'un jeu indep? Telle est la question, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, ce n'est pas une grosse production qu'on connaît, d'où le terme jeu indépendant. Voilà. Est-ce qu'on peut avancer avec la boule? Non, on peut pas avancer, hein, je peux rien faire là. Je vous laisse la fin quand même, c'est le minimum. Avec cette jolie musique. Et on passe dans tous les temps. Alors le jeu, voilà, voilà, on le voit clairement, Unreal Engine, de 98 à 2011. Tout est en 2010, 2011, voilà, ça n'a plus été touché après, j'ai l'impression, en fait. Peut-être qu'ils ont été déçus par les ventes, je ne sais pas. En tout cas, il est quand même plutôt joué, j'ai envie de vous dire, hein. C'est bizarre. Et voilà. La fin. Alors, est-ce qu'on va avoir un truc spécial à la fin, peut-être? Oh, d'accord, ok. J'adore ça. J'adore ça en fait. Tous les ennemis qu'on a battus qui sont là.
Merci d'avoir joué. Bon, bah, mais de rien, c'était un plaisir. Merci à vous hein, pour ce jeu. Quand même plutôt, plutôt excellent, clairement. Voilà, on a juste à faire ça. Après, ça tourne en boucle. C'est tout ? D'accord, on revient au menu principal, ok. Et c'est parti. Alors, on va quand même regarder rapidement comment ça fonctionne. On peut changer de personnage, choisir ton boulet pour des modes de jeu spéciaux et parties multijoueurs. Ah d'accord, on peut changer le visage. Et en dessous, on peut changer... Ah d'accord, le personnage qui le dirige, pour les jeux à plusieurs en fait. Hein. On va voir si on peut jouer en ligne. Je sais pas si ça peut marcher ou pas, mais... Ok, je vais faire un retour, peu importe. Hein. Le classement, comment ça marche? D'accord, il y a des contre-la-montre. Alors vous avez vu, hein, ça joue, c'est assez tendu. Hein. Planisphère suivant. Je suis pas dedans, évidemment, hein, parce que je suis nul en comparaison d'eux à 23 secondes. Pas déconner. Hein. Alors il y a un mode. Il y a partie en solo. Contre-la-montre, parcours à obstacles. Je vais revenir un peu en arrière, j'ai envie de voir partie multijoueur par exemple. Écran partagé en... D'accord, online, il y a quoi online? Créer des équipes, ah ouais c'est pas mal ça online, faut essayer ça en online. Je peux pas le faire évidemment, je suis tout seul, hein, mais pour le coup, à essayer. Je vois qu'on a des courses à obstacles. Alors les aides et options, je vous les montre quand même pour le fun. Hein. Comment jouer les commandes? Les commandes sont là. Donc, vous avez vu, c'est plutôt simple, hein, bouger à droite, pivoter les unités à droite, à gauche. Moi j'appuie sur E à chaque fois. Zoom avant, il n'y a pas de touche. Alors, en même temps, il n'y a que E en même temps, j'ai envie de vous dire. Parce que j'ai pas réglé les touches. Zoom arrière, vue aérienne, ouais. Texte chat, on peut parler aussi dans le jeu, peut-être à plusieurs. Mode boulet, voilà, on l'a vu, hein, au bas, gauche, droite, avec espace, quoi, donc rien de spécial. Ok, ça je voulais montrer aussi. Les crédits, on les a vus déjà. Attendez, comment ça se présente? D'accord. Ça rafraîchit le même truc qu'à la fin, mais ici. Soit, pourquoi pas, c'est sympa. Et donc on va essayer comme les parties en solo, course à obstacles, c'est parti. Bon entraînement de ski boulet, on va essayer ça aussi. On va essayer ça aussi, je pense. Alors comment ça marche? Course à obstacles, on a plusieurs modes. Probablement tous les mondes qu'on a fait en prenant au hasard. Je pense qu'on va peut-être pas s'étendre là-dessus, mais j'ai l'impression que j'aurais bien envie de faire un petit épisode bonus peut-être. Alors on va prendre... Moi ce que j'avais bien aimé, c'est celui-là, 30 là. Comment on fait après? Course contre la montre, jusqu'à la fin de la piste, le premier joueur a remporté 2 des 3... On joue à plusieurs en plus, c'est ça? Non, on joue pas à plusieurs. D'accord, ok. C'est parti. On va essayer ça. What? Pourquoi j'avance doucement là? Pourquoi j'avance doucement? Mes touches ont été réinitialisées. Alors ça c'est le bug. Ça c'est le bug. Mes touches ont été totalement réinitialisées. Ça veut dire qu'il faut que je les refasse. Alors attendez, je vais les refaire. Bon voilà, comme quoi il y a un espèce de bug. Parce que j'avais pas fait ça du tout. Hein. C'était ça que j'avais fait moi. J'avais pas mis remettre à zéro, donc je vois pas pourquoi ça me ferait le coup, mais... Comme je vous ai dit, hein, ça le met en QWERTY directement. Donc là, normalement c'est bon. Du coup, on va la refaire. Retour, reprendre le jeu. Alors du coup, on va pouvoir y aller en vitesse, mais le problème c'est que bah, l'autre a une certaine avance. Et en plus, il y a des obstacles, vraiment, oui, des beaux obstacles. Hein. Voilà, ça c'est le style, vous avez vu ça? Vous avez vu le style? Alors, il y a des étoiles, là, j'ai pas compris, l'adversaire roule, je sais pas où c'est qu'il est parti. Il y a des options, des bonus, hein. Ouais, j'arrive à la fin, mais du coup, je suis premier, c'est ça? Comment ça se passe? Ok, c'est tout, bah voilà. Et on a refait indéfiniment, comme ça? Il y a plusieurs boules, comment ça se passe? Il y a plusieurs boules, il est derrière moi. Alors, vous avez vu, j'ai réussi à rattraper mon retard malgré le... L'adversaire est nul, en fait, je pense que... Oula, d'accord. Option bonus, on va dire, pas option. Je dis option à chaque fois. Voilà, là ça fait des dégâts. Là, il y a beaucoup de. Oh là là, oh là là. Mais du coup, ma boule reste bien. Y a personne à droite, à gauche là. Elle est où l'autre boule? Elle est pas là. Pas là. Il y avait une boule en feu qui ne m'intéressait pas là pour le coup. Bon, voilà. J'ai encore gagné. Tu es le vainqueur, bah voilà, forcément. Très bien. On va revenir en arrière, juste pour essayer. Retour. Non. Si, on va faire un retour, oui. On va essayer quand même juste le dernier mode pour terminer ce let's play. L'entraînement du ski boulet.
Il y a des cibles. Très bien. Je vais prendre un niveau celui-là, par exemple. On s'en fout, hein. Accepte, c'est parti. Alors, comment ça marche? Alors, il y a pas mal de modes de jeu, vous l'avez vu. On peut jouer à plusieurs. Je pense qu'en ligne, c'est le délirant. J'ai envie d'essayer. D'accord. Faut avoir un maximum de cibles. Voilà, ok. Donc, le ski boulet, en fait, c'est juste un entraînement, en fait. Je rate la plupart des cibles, c'est pas grave. Je crois que j'ai pris un niveau qui est assez long en plus. De mémoire, ma boule ne se casse pas par contre. Pas du tout. Le but c'est vraiment d'aller taper les cibles. Alors les clés, vous avez vu, on n'a pas besoin de tout avoir. Hein. Peut-être qu'il y a un niveau bonus, on a toutes les clés, un trophée, je sais pas. Voilà, celle-là je la frôle même pas. Même pas envie de la casser cette cible. Voilà, par contre celle-là j'ai envie. Celle-là j'ai envie aussi. Alors je pense que c'est vraiment un truc de scoring hein, pour jouer à plusieurs. Pour faire le test à plusieurs. Oh là, c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Comment ça marche? Ah! Je crois que j'ai eu le bon là. Voilà, c'est du scoring, tout simplement. On va en faire une deuxième quand même parce qu'il y a trois boules. Bon, on va faire les trois d'ailleurs. Alors la vitesse, tout ça, on s'en fout. Là, c'est qu'il faut vraiment avoir les cibles au passage. D'accord, les cibles, j'ai dit. On va essayer d'avoir un maximum de cibles. Le temps n'a pas l'air d'être compté, j'ai l'impression. Du coup, c'est un maximum de cibles. Écoutez, voilà, hop! Ici, j'ai envie de les avoir, celle-là du coup. Voilà, c'est magnifique. Là, j'en ai beaucoup plus que tout à l'heure. Alors, pourquoi j'ai eu un x2 sur le premier? Là, j'ai eu un x2 là. Pourquoi? Alors que là, je l'ai plus le x2. Bon, bah, c'est parti, on casse les cibles, hein, pourquoi pas? Voilà, ok, ça c'est fait. Je pense que j'ai pas été mauvais parce que je me suis permis d'aller voir le temps en fait moyen de jeu. Pour finir le jeu solo, il s'avère que je suis plutôt dans la moyenne très haute. Hein. Alors vous allez me dire hein, combien de temps si vous y jouez, combien de temps vous le finissez. Alors il faut avoir le 1, 2, 3, 4, 5, d'accord. Faut vraiment foncer en fait. Ouais, en fait j'ai un niveau de merde. Hein. À chaque fois c'est un niveau de merde. Hein. Ça doit être ça le x2. Donc il faut vraiment de la vitesse pour la fin. Maintenant je vais m'entraîner à le faire. Par contre il n'y a plus de cible. Donc c'est stratégique, hein. Le but c'est vraiment d'être stratégique. Ah non, il y a encore des cibles du coup. Ils les remettent. Comment ça se passe? D'accord, j'ai raté la première. Je pourrais faire demi-tour, par contre du coup c'est de ne pas chronométrer. Résultat, je pense qu'il y a des personnes qui s'amusent à... Alors attendez, on va la casser proprement. Voilà. On va casser l'autre là aussi. Voilà. Voilà. Ah, si ils remettent les cibles à chaque fois, forcément, je vais faire du dégât. Hein. Voilà. Boum! Voilà, la boule ne se casse pas, je vous l'ai dit. Hein. Donc, peu importe en fait. Alors, si la boule ne se casse pas, il n'y a plus vraiment d'intérêt pour moi. Enfin bon. Il n'y a pas de temps non plus, c'est dommage. Mettez du temps, les développeurs, là, mettez du temps. Vous n'allez pas m'écouter, mais je vous le dis quand même. Hein? Ok, raté. Voilà. Le ski boulet. Je vois pas le rapport en fait. C'est quoi le ski? Pourquoi ski? Ok, je perds vachement de temps, j'aurais pas dû perdre autant de temps. Non, ça s'est raté ça. Voilà, c'est pas grave. On va la refaire. Prendre un maximum de vitesse pour aller vraiment sur le 5 tout en haut. Je pense qu'il est quasiment inatteignable. Je pense qu'il y a des records aussi. Hein. Voilà, on va faire ça. Voilà, on va prendre un maximum de vitesse, vas-y. Oh la vache, c'est pire que d'habitude. Voilà, une fois. Super, super. Bon bref, voilà, vous l'aurez vu. Hein. En plus, c'est le niveau que j'ai fait le plus. De score. Voilà, on va se laisser, je vais revenir en arrière. Voilà, menu principal. Et on va se laisser pour ce let's play. Je pense qu'on aura fait déjà largement assez long d'épisode. Voilà. Alors n'hésitez pas à envoyer moi dans les commentaires vos scores. Enfin tout ce que vous voulez. Moi ça m'intéresse de savoir s'il y a des stars parmi vous. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et cette série. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à liker, à tout et partager, ainsi qu'à vous abonner si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine série et la prochaine vidéo. Allez, bye bye.